Bonsoir, bienvenue dans cette capsule du jeudi 23 avril 2020. Ça fait déjà un mois que nous proposons, jour après jour presque, ou semaine après semaine, soit une capsule, soit le cours alpha, soit les cultes, en direct, en live, en streaming, en diffusion vidéo que vous pouvez regarder soit en direct, soit en mode différé. Le confinement va bientôt, le déconfinement va bientôt commencer, semblerait-il. Alors certains sont dans les starting blocks pour que leurs affaires reprennent de plus belle qu'avant. Et je me posais la question, est-ce que nous avons appris quelque chose de ce temps au ralenti? En tout cas, ralenti pour certains, pour d'autres, c'était même plus intense que d'habitude. Hein. Est-ce que nous allons reprendre la vie comme avant? Juste comme avant, en plus ou en mieux? Juste faire plus d'affaires, histoire de compenser la perte de ces deux mois d'arrêt? D'après Albert Einstein, il a une définition de la folie que je trouve assez intéressante. C'est faire la même chose en pensant arriver à un résultat différent. Hein, continuer à faire la même chose en pensant qu'on va arriver à un autre résultat. Toutes les églises font à peu près le même constat. L'Église, comme elle se vit ou comme elle se vivait avant Covid-19, ne répond plus à notre monde actuel. Alors ça, ce n'est pas un scoop, parce qu'il me semble que ça fait déjà bien quelques années qu'on fait ce constat. Depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, je ne parle pas seulement de nous, Église Oasis, mais d'une manière bien plus générale, si vous avez lu le 24 heures ces derniers jours, vous avez vu des articles qui vont dans ce sens-là. Depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux par la vidéo, nous avons bien plus de monde qui nous suit que lorsque lors des cultes en plénière ou en présence. Alors, quelle sera l'Église post-coronavirus? Pour cette réflexion, j'aimerais vous inviter à une lecture. Une lecture dans Luc, les versets 5, le chapitre 5, les versets 27 à 39. C'est Jésus qui parle, et ça se passe, voilà. Après cela, donc après l'épisode précédent, il sortit et vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes, et il lui dit « Suis-moi ». Quittant tout, il se leva et se mit à le suivre. Lévi fit à Jésus un grand festin dans sa maison, et il y avait toute une foule de collecteurs d'impôts et d'autres gens qui étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient, disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ? » Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, les malades, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pêcheurs pour qu'ils se convertissent. » Ils lui dirent « Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens, tandis que les tiens, ils mangent et ils boivent. » Jésus leur dit « Est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités à la noce pendant que l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. » Il leur dit encore une parabole, et c'est celle-là qui m'intéresse vraiment beaucoup. Personne ne déchire un morceau de vêtement neuf pour mettre une pièce à un vieux vêtement. Sinon, et on aura déchiré le neuf, et la pièce tirée du neuf n'ira pas avec le vieux. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fera éclater les outres, et le vin se répandra, et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et cette phrase qui m'a vraiment interpellé, « Quiconque boit du vin vieux n'en désire pas du nouveau, car il dit « Le vieux est meilleur. » Jésus vient d'appeler un disciple à le suivre, Lévi. Il quitte tout, il se lève, il quitte tout et suit Jésus. Et il organise un grand festin chez lui. Il invite plein de copains, percepteurs d'impôts et d'autres personnes, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, ils ne sont pas mentionnés. Les gens, les percepteurs d'impôts, c'est les gens les plus détestés des Juifs, en fait. C'est les collabos avec les Romains, avec le pouvoir romain en place. Se lève alors toute une série de reproches quant au jeûne et à la prière.
Et Jésus prend la parole. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Vous imaginez Lévi, qui invite tous ses copains, collecteurs d'impôts, hein, voilà, tous les collabos. Et puis, il entend ça. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Donc, il les considère comme des malades, en fait. Qu'en pensent Lévi et ses amis? Et puis, plus loin, il dit, est-ce qu'il faut jeûner alors que le marié est encore avec nous? Bon, on peut se poser la question, on va dire non, en fait. Hein. Mais ce qui m'inspire pour aujourd'hui, c'est la question de l'habit neuf et de l'outre, ou le vin nouveau, les outres, etc. Hein. On ne déchire pas un vêtement neuf pour reblétser un vieux pantalon. Le neuf, il est déchiré, et puis le morceau ne va pas tenir ou ne va pas avec le vieux pantalon. En plus, je pense que la couture risque de ne pas tenir sur le vieux tissu. Et puis en plus, actuellement, la mode, les pantalons troués, c'est à la mode, donc pas besoin même de le reblétser. Le vin nouveau dans de vieilles outres. Ce n'est pas non plus une bonne idée. En fermentant, le vin nouveau fera éclater les vieilles outres qui ont perdu de leur souplesse. Jusque-là, pas de difficulté majeure, me semble-t-il. Mais la dernière phrase m'a laissé un peu pantois. Celui qui boit le vin ancien ne veut pas du vin nouveau. Parce qu'il dit « le vieux est meilleur ». Alors qu'est-ce qu'il faut en conclure? Il est intéressant de constater que le résultat des outres qui éclatent, ce n'est pas tellement le vin qui est perdu le problème, mais c'est la perte de l'outre elle-même, comme si le contenant était plus important que le contenu. Et puis, cette question du vin ancien qui est meilleur que le vin nouveau, ça, c'est pas très nouveau non plus. On sait bien que le vin ancien, souvent, est bien meilleur. C'est bien connu. Le vrai renouveau, ici, eh ben, c'est la présence de Jésus. C'est là que ça fait toute la différence. Ça donne la vraie joie, celle du pécheur pardonné, restauré. Et peut-être qu'aujourd'hui, ou dans notre histoire, ou dans notre tradition, on s'est peut-être juste arrêté au salut. On est sauvé, et puis c'est bon, en fait. Et nous n'avons pas su aller jusqu'à restaurer complètement. Et donc, il nous manque une chose, en tout cas une, je dirais, la joie. Parce que quand on est complètement restauré, quand on est sauvé, alors bien sûr, on sait qu'on est sauvé, etc. Mais quand il y a une restauration complète de notre être entier, là, il se passe encore quelque chose de différent en nous. Hein. Ce que Dieu fait de nouveau, ce n'est pas juste un patch sur notre vie ancienne. Hein. Il ne se contente pas non plus juste des contraintes, en fait, des choses anciennes. Hein. Dans l'ancienne outre, on ne peut pas mettre du vin nouveau, donc on se contente du vieux, en fait. Mais voilà, avec Jésus, on ne se contente pas juste, entre guillemets, du vieux vin. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui vient et qu'on doit mettre dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau contenant. Les vieilles outres, elles manquent de souplesse. On ne peut pas mettre du vin nouveau dedans. Elles vont éclater, c'est bien clair. Il y a quelque chose de vraiment radical dans l'appel de Jésus. D'ailleurs, Lévi se lève et il quitte tout. C'est quand même assez fou, quoi. Hein. Je veux dire, il va perdre son job, hein, ce gars. Une vie toute nouvelle débute pour lui. Et ça commence par un festin, comme pour un mariage. Le ministère de Jésus est un ministère de restauration complet. Le vieux et le nouveau, d'ailleurs, on avance un peu, ne sont pas à mettre en opposition. Autant le nouveau est un peu mis de côté au niveau goût, hein, on voit, voilà, on préfère le vieux, autant le vieux n'est pas mis non plus plus en valeur que cela. Ce n'est pas le but de chercher à garder ce qui est vieux au détriment du nouveau. Hein. On ne veut pas rester dans une tradition, l'ancienne tradition qu'on connaît. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui est instauré. Le nouveau est tout différent et il lui faut une outre neuve. Le vieux est à consommer et à conserver, et il est très bon. Le nouveau devra vieillir peut-être un peu pour être excellent lui aussi. Mais le vin nouveau a besoin de place dans son processus de maturation. Alors, que faut-il voir dans ce passage? Est-ce qu'il faut y voir une certaine nostalgie face à une ancienne tradition qui est rassurante, qui est bien connue? On en connaît le goût, on sait que quand on débouche ça, on sait ce que ça va donner.
ça va être bon. Donc on connaît le coup, on sait ce qui va se passer. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de goût de bouchon, rien, voilà. Le culte, ça va jouer, on sait qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Voilà, on maîtrise, on contrôle, tout va bien, on est dans notre tradition, dans notre liturgie, on garde quelque chose de connu, maîtrisé. Alors qu'avec ce vin nouveau, eh ben, on ne maîtrise pas le processus. Il faut plus de souplesse. Au palais, il semble moins bon, parce que c'est en mouvement, en développement. Le vieux vin ne bouge plus, la maturation est terminée, le processus est fini. Hein. Le nouveau, il bouge, il fermente, c'est un processus de transformation. Tout comme l'évangile est un processus de transformation de nos vies. Alors dans le contexte de Jésus, la question sous-jacente, en fait, est celle de la continuité entre le judaïsme et le christianisme. Il ne dénie pas l'ancien, la loi finalement, hein, qui a été donnée à Moïse, mais le nouveau a besoin d'un nouveau contexte, une vie nouvelle. Le vin nouveau offre de nouvelles possibilités excitantes. Et ici, il semblerait que le peuple préfère le vieux vin. Ce que Jésus offre comme vin nouveau, ça passe uniquement par une outre neuve et un vin nouveau qui est versé dedans. Ce que Jésus apporte, ce n'est pas une nouvelle tradition à mettre dans nos anciennes outres ou dans nos anciennes habitudes, parce que là, tout va éclater. Non, ce que Jésus amène comme vie excitante ne peut se mettre que dans un cheminement nouveau, une vie nouvelle, un processus dans la souplesse de notre vie régénérée. Alors, si aujourd'hui nous constatons que l'Église actuelle ne répond à plus rien, il faut nous demander si ce vieux vin qui nous attire parce que nous le connaissons bien, et c'est ça qu'on veut conserver, ou bien si nous aspirons au vin nouveau avec toute l'excitation de possibilités nouvelles qui s'ouvrent à nous. Alors bien sûr, le vieux vin est plus rassurant. Et nous sommes devant le choix, en fait. Le chemin du nouveau qui s'ouvre, on n'en connaît pas, le parcours, mais nous savons où il conduit. Nous savons qui il est. « Je suis le chemin, la vérité, la vie », nous dit Jésus-Christ. Et je crois pouvoir dire que Jésus nous appelle à un vin nouveau pour notre génération d'aujourd'hui. Et ce chemin passe par laisser Jésus le Christ lui-même nous conduire dans ce chemin, dans son chemin à lui. Alors, méfions-nous des conclusions un peu trop hâtives. Trop hâtives. Normalement, on ne doit pas faire la liaison quand il y a un H. Hein. Il ne faudrait pas non plus dire que tout ce qui a été fait aujourd'hui, c'est nul, non avenant, et puis il faut tourner la page. Pas du tout. Je ne crois pas que ce soit l'idée. Aujourd'hui, Jésus nous invite à poursuivre la nouveauté de vie, à poursuivre le chemin avec lui. C'est comme si la tradition nous avait comme arrêté en chemin. Je pense qu'à force de mettre des éléments, tout ça, c'est devenu tellement tout que ça s'est arrêté en fait. On ne peut plus aller plus loin tellement ça devient lourd en fait. Aujourd'hui, en nous remettant en marche, nous entrons dans le vin nouveau proposé par Christ. Il me semble que le mouvement pourrait être un déplacement. Un déplacement de l'institutionnel, devenu trop lourd et trop encombré, trop même poussiéreux à la limite, vers un mouvement qui serait plus personnel. Je pense que nous sommes appelés à être en chemin avec Christ et de prendre avec nous des amis sur ce chemin pour qu'ils rencontrent Jésus. Comme Lévi a fait, en fait. Il a organisé un super repas, il a invité tous ses copains, il a fait venir Jésus et il y a eu la rencontre. Hein? Je crois que c'est ça le modèle, il me semble. Enfin, je pense comprendre un peu ça. D'ailleurs, ces mêmes amis que Lévi a invités, les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, en fait, hein, on les retrouve un petit peu plus loin, dans le chapitre 15 de Luc. Les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Donc notre rôle, c'est d'inviter les gens à cette rencontre, et puis ensuite, c'est eux qui iront d'eux-mêmes écouter Jésus-Christ. Magnifique, non? Il y a juste un truc à faire qui nous appartient, c'est les inviter, les mettre en connexion avec Jésus, et puis ensuite, c'est eux qui vont y aller tout seuls. Et ils vont devenir disciples de Jésus. Et nous sommes des disciples qui auront fait des disciples. Magnifique, non?
C'est peut-être bien ça le vin nouveau post-Covid-19. Alors je vous laisse à la réflexion, en nous laissant inspirer par le Saint-Esprit. Laissons le vin nouveau venir dans notre vie. J'allais dire, au lieu de faire venir Jésus sur notre chemin, entrons sur le chemin sur lequel Jésus nous appelle à cheminer avec lui. Alors je vous souhaite une belle fin de journée, soyez bénis, encouragés dans votre cheminement avec le vin nouveau, avec Jésus-Christ. Bonne soirée et à bientôt.